Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog dimanche. Eh ben, il est 11h, je me suis levée à 10h40 en fait. Vu que c'est encore la dèche jusqu'à demain, ben, j'ai fait ça. C'est du flocon d'avoine avec un reste de lait. Nous n'avons plus que ça en termes de petit déj. Et puis le café, je crois que c'est pour ça aussi qu'Eric, il se réveille tard, parce qu'il dit de toute façon, rien à foutre, il n'y a plus rien à manger. Regardez le nouveau dodo de Jackie. Donc derrière, c'est ma chambre, et là, bah, c'est le deuxième étage, quoi. Et comme ça, c'est un super carrefour. Il entend quand sa maman se lève, son papa. Hein, bébé? T'es bien là sur ton. Je lui ai installé un petit plaid comme ça, tout bleu. Et là, il est bien. En plus, il a une petite fenêtre. Hein, bébé, ça. Bon, maman, elle va se préparer. Oh, il fait beau quand même. Je suis donc au deuxième étage. Le ciel est magnifique. Wow. C'est calme. Bon. Je referme. Me voilà prête, cheveux lavés. Comme il fait beau, bah, j'ai mis le petit t-shirt. C'est vrai qu'il fait hyper beau et le ciel est magnifique. T'as l'impression que la mer est juste derrière. Bon, non. En tout cas, chez moi, elle est assez loin. Hier, ce fut une journée très, très, très compliquée pour moi. Physiquement, mentalement. J'étais, mais dans un état. Déjà, je me suis réveillée avec une migraine de l'espace, fois 2 par rapport aux migraines cataminiales que j'ai habituellement. Je pense que fatigue, stress cumulé plus bah, les hormones, ça a décuplé l'ensemble. J'étais dans un bad, j'étais pas bien, j'en ai même pleuré. J'étais pas bien, pas bien, pas bien. Ce matin, ça va beaucoup mieux et tant mieux. Voilà, il y a des jours comme ça où c'est pas évident du tout, du tout, du tout, et j'en ai rien à foutre, je le dis. Oui, peut-être que certaines personnes détracteurs diront, oh, mais tu en as pas marre de plein. Non, en fait, c'est humain, ce sont des émotions, ça s'appelle. Et toi, qui es derrière ton écran et qui regarde ça et qui va tout de suite t'empresser ou qui va être, ah, mais elle se plaint tout le temps. Peut-être que c'est toi qui projettes, parce que souvent, quand on reproche aux autres ce qu'on est soi-même, donc peut-être que c'est toi aussi qui ne va pas bien, et peut-être que toi, au fond de toi, tu aimerais en parler. Il y avait autre chose que je voulais. Oui, ça y est, ça me revient, ça me revient. Il faut que je me fabrique un masque parce que demain, je vais chercher les courses. Et bah, j'ai décidé que c'était moi qui allais m'y coller parce que, bah, toujours même problème pour Eric, hein, qui ne maîtrise pas le grattage dans ses yeux, dans ses. Et je le comprends, le pauvre, donc bon. Je vais y retourner, mais cette fois-ci, franchement, je ne prends pas mon portable, enfin, j'y touche pas, je fais rien, je fais tout. Tout bien. Et pour l'heure, bah, je vais manger. Il est 13h passé. Ouais, parce que le porridge de ce matin, même s'il est assez copieux, c'est quand même, ça vaut pas quand même les tartines. Eric, je lui ai fait. Il a bien aimé. Il s'est passé quoi? Tu as fait le disco de Drake? Si ça t'intéresse, mon bébé, ça, maman, elle descend manger. Allez. Ah oui, alors, c'est le bazar, je vous explique. Là partout. Eric, hier, vu que moi j'étais pas bien, ça lui a pris, il a voulu qu'on range tous ses placards, parce que c'est vrai que je stockais plein de trucs, de thé, de machin, que je mangeais pas, et en fait on va mettre tout l'électroménager là-dedans, donc ça fait plein de trucs encore à ranger, à trier. Ce soir c'est les poubelles, donc ça tombe très bien. Ce midi, je vais me faire une boîte de raviolis, j'aime pas du tout, mais bon, faut manger. Aussi, vous m'avez envoyé, j'ai reçu pas mal de messages me disant, mais Caro, t'as plus de petit-déj, tout ça, va à la boulangerie, va à la petite supérette. Ce que vous n'avez pas compris, je pense, c'est très gentil, hein, je comprends, c'est que je sentais et je sens toujours qu'en fait, nous avons des éléments qui échappent à tout le monde. C'est-à-dire que tous les jours, nous avons de nouveaux éléments. Nous disant, mais non, c'est pas dans l'air, mais non, c'est pas ça, mais non, ça tient pas autant de temps sur les paquets. Et à chaque fois, on s'aperçoit que finalement, peut-être, et que finalement, si, et que finalement, ça, que ça reste également, que tu peux être contaminé juste en parlant à quelqu'un qui est à 2 mètres de toi. Voilà, donc pour toutes ces raisons, non, je ne souhaite pas y aller. D'ailleurs, quand j'ai parlé aux gendarmes, on était à 1 mètre l'un de l'autre. Et pour pas continuer à lui dire non, je veux que vous mettiez un masque pour parler avec vous parce que c'était le lendemain et je voulais pas passer encore pour. Mais après coup, je me suis dit, pourquoi en fait, ni lui ni moi n'avions un masque, on était à 1 mètre, certes on était dehors, mais non en fait, j'aurais dû lui dire de mettre son masque, mais bon, voilà. Et pour toutes ces choses, non, non, j'évite, je vais au drive et c'est tout, puisqu'il faut bien quand même qu'on s'alimente, et pour moi le drive c'est ce qu'il y a de plus, parce que t'as aucun contact. Le seul truc c'est après la contagion éventuelle sur les paquets, mais vu que je mets de l'eau de Javel, de ouf, tous les cartons, enfin bref.
Mais encore, le risque zéro n'existe pas là-dessus. Voilà, c'est tout. Je vais chercher mes super raquettes. Voilà, c'est peut-être mon côté parano qui ressort. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Vaut mieux être prudente. Hein? Je pense que... Vous savez, c'est quand même... Je le répète, mais à un moment donné, je vous avais quand même fait une petite vidéo sur Insta. Bien, mais bien avant que ce soit installé en France, qu'il y ait des cas vraiment avérés, genre de choses. On sentait que c'était pas terrible en Chine, il y avait des choses qui commençaient. Et je vous avais fait une vidéo en disant, est-ce qu'il serait pas judicieux qu'on se salue différemment? Soit juste avec un petit signe de la main et qu'on arrête tout ça. Et je l'avais retiré cette vidéo parce que je m'étais fait un peu, pas lyncher, je dirais pas ça, mais des gens encore avaient dit, oh, enfin, faut arrêter, faut pas tout grossir, faut pas, bah voilà, aujourd'hui on en est là. De plus, ils sont bons quand même en fait. On sait qu'il faut que 70% de la population l'attrape pour que le virus, on va dire, disparaisse. Ce qui veut dire, on est combien? 66 millions? Ça fait quoi? Ça fait 40, je sais pas, 48, 40, bon bref, 49 millions qui doivent l'attraper. Donc oui, on va l'avoir tous, plus ou moins, quand je dis tous, et voilà. On l'aura, forcément, puisque ça va rester. C'est-à-dire que c'est pareil, ce fameux déconfinement, très bien, je l'entends et je comprends qu'on puisse être là. Ah, oh, je vais partir en vacances. Ah, oh, première chose que je vais faire, c'est aller voir ma famille, aller voir mes potes, boire un verre. En fait, non. Enfin, non, ça va être vraiment par palier, c'est crescendo. Le virus sera toujours là, toujours là. Alors, les choses ont été faites, ce fameux confinement, pour désengorger les hôpitaux, pour pas que ça vienne en masse, c'est ça. Mais il y aura toujours, toujours des cas, jusqu'à temps que cette épidémie soit éradiquée. C'est-à-dire, ça va prendre des mois, des mois, des mois, des mois. Il y aura toujours ça, sauf si, effectivement, et c'est ça. Enfin, moi, je les attends. Ces tests sanguins qui pourront nous dire si nous sommes ou pas immunisés, si tu l'as attrapé et que la période est terminée pour toi, mais tu as eu des anticorps, ce qui fait que tu es immunisé entre guillemets. Mais toutes les personnes qui n'ont pas été exposées, donc qui sont pas atteintes du Covid, ne devront pas sortir encore. Vous comprenez ou pas? Donc pour moi, le déconfinement, ça va être du petit à petit. La fête du slibar tout de suite, c'est pas possible. Sauf si 70% de la population, donc 48 000, 49 000, 50 millions d'habitants. Donc ça va prendre un petit temps. Hein? Parce que pareil, le vaccin, ça prend... un vaccin, ça prend minimum une année, je pense. Donc voilà, une année, c'est très très long. Très très long. Bref, j'arrête, je mange. Et oui, ça c'est le matos pour mon masque. Il faudrait que je mette un filtre dedans, mais j'ai pas qu'il fasse effet de filtre, il faut que je trouve. Et les élastiques aussi, j'en ai testé un, mais ça me fait mal, ça tient pas sur mes oreilles. Donc il faut que je vois. Allez. Moi, je me suis mise sur TikTok, mais en fait, je m'en fous de TikTok. Moi, c'est juste pour avoir le support, pour après mettre sur Insta. Mais TikTok en lui-même, c'est pas mon délire, quoi. Voilà. Donc, j'ai terminé ma vidéo, franchement, j'aime bien. Alors, c'était long, hein, parce que comme je vous disais, il faut l'apprendre, faut que ce soit synchro. Arrête. C'est jamais vraiment synchro, parce que même quand tu télécharges, ça redécale. Donc, même si toi, c'est parfait, ça redécale. Bon, bref, j'aime beaucoup. En plus, elle est longue, enfin, plus longue que d'habitude, c'est cool. Je me suis changée, vous l'aurez remarqué, parce que l'autre, je l'avais un peu tachée en mangeant mes ragoûts. Et ça, parce que je suis restée un moment, donc je me suis un peu refroidie. Je vais prendre mon infusion et commencer mon masque. Pour tester, voir déjà, parce que j'en avais testé un. Le problème, c'est que j'arrive pas à respirer du tout dedans, mais pas du tout. Je respire, je tiens très 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 peu de temps, donc faut que je trouve le meilleur moyen, enfin le meilleur masque que je puisse tenir au minimum 20 minutes, quoi, quand même, le temps d'aller chercher les courses et tout. Voilà, donc on va faire ça ensemble. On va tester. Le truc, c'est que je veux trouver des élastiques surtout, parce que j'ai des élastiques. Mais ils sont pas terribles, donc ils font clics et ça s'en va. Donc le but, c'est de pas le perdre quand même. Ok, arrête bébé. Non, maman n'aime pas quand tu fais ça. Non, vous l'entendez, il fait ses griffes sur mes housses de chaise. Donc non, non et non. C'est pas parce que tu veux de la croquette qu'il faut t'en prendre à mes meubles. Voilà. Ouais, mais oui, il répond. Vous avez vu, il répond tout le temps à sa mère.
Sinon, comme Mère Nature, enfin, je ne sais pas si on dit Mère ou Dame Nature est là. Oui, bah oui, c'était la raison pour laquelle j'étais très très mal hier, juste avant. Bah là, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, je suis toute flagadouche. Donc, je me suis même pas levée. Ah oui, mais bah en fait, vous pouvez pas savoir, je suis con. Ça doit faire une demi-heure que je suis allongée comme ça. Avec monsieur qui m'engueule d'ailleurs. J'ai pas fait mon thé encore, mon infusion. Et le masque, c'est pas grave. Enfin, le masque, je vais le faire tout à l'heure. De toute façon, c'est pas grave si c'est plus tard dans la journée. Hein, je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Mais ouais, là, Capoute, capoute. C'est pénible les SPM, syndrome pré-post-menstruel, c'est horrible. Bref, bah si je dois rester encore 20 minutes, je reste 20 minutes, hein, qu'est-ce que vous voulez? Viens là si tu veux faire un câlin. La croquette, toi t'as eu ton goûter, donc toi t'abuses. Non, 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 je suis pas d'accord. Tu attends, maman elle se repose 2 minutes. Faut pas que je le regarde, parce que si je le regarde, il va m'engueuler. Attendez, on fait le test. Voilà. Moi, je me fais celui-ci. Fenouil sauchetin, je peux vous dire qu'il en boit. Ils sont très très forts. Et bah voilà. Ça, c'est mon seul petit plaisir qui me reste. Et encore, c'est pas. Voilà, éclate. Vu que j'ai faim, mais en même temps, ouais, il est 18h. Je vais pas trop trop manger. Bon, je vous pose ici. Pendant qu'Eric continue le rangement. On va s'attaquer. Attention. Au masque. J'ai des tissus, mais celui-là c'est le seul qui est un peu grand, on va dire. Je viens de m'écouter des musiques là avec Google, on peut pas. C'est dommage qu'on puisse pas mettre, mais. On plie comme ça. On plie comme ceci. T'en fais des allers-retours, mon chat. Oui, parce qu'il n'y a rien qui a sa place. Oh. Alors, en fait, idéalement. Il faudrait dedans mettre un filtre. Alors, quand je dis filtre, c'est-à-dire, eux, ils parlent par exemple de mettre les trucs Swiffer, là, vous savez, ce genre de choses, ou du papier sopalin, faut que ça fasse encore une couche, ou du coton, et le coton, faut le mettre face ta bouche, le tissu face extérieure. Donc là, pour l'instant, je vais faire comme ça. Voilà, on replie, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais comme ça, je replie et je replie de nouveau. C'est à ce moment-là qu'interviennent les élastiques. On fait comme ça, on passe ici le petit élastique, vous voyez? Hop, 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 comme ceci. Je m'en fous demain, bébé, je mets une combinaison. Hein. Combinaison, hein. Chapeau, truc en plexi. Ça sert à rien, bien sûr que ça sert à rien. Ensuite, ça, eh bien, je viens le mettre, les mets les uns sur les autres. Comprenez? Comme ça, et puis bah, on est sur un masque hyper fashion, hyper tendance. Ça, faut que je fasse descendre là, laisser que niveau de mon oreille, vous voyez, ça fait ça, et ça saute. C'est l'élastique, enfin, l'idée, c'est bien. Par contre, va rester 20 minutes comme ça. Mais bon. Voilà. Je vais le confiner et j'ai compris, on met un filtre dedans. J'en ferai un demain et je mettrai du papier comme ça dedans pour faire office de filtre. Voilà. Et il faut que je trouve, je vous dis, élastique. Moi, je dois faire le tri de tout ça. Ça, déjà, ça va me servir pour demain. Lunettes de soleil en plus du masque. Plus mes lunettes de vue en dessous. Là, je les mets de côté. C'est opération commando demain. Ça a bien déblayé, hein, vous avez vu derrière. Ce soir, je vais faire des pâtes et du poisson. Je voulais faire du riz, mais je n'ai plus du riz non plus. Quant au poisson, ça va être ça. Ça me donne vraiment envie. Hein. Saveur citron et fines herbes. Colin, Alaska, façon meunière. Je vous retrouve, vous l'aurez compris, c'est bah, lundi matin, le lendemain. Je m'apprête à faire le montage que vous êtes justement en train de regarder. Et donc aujourd'hui, bah, j'en ai des cours. Je vais donc refaire mon petit masque avec des filtres dedans, même si franchement avec le drive très très logiquement je ne vais avoir aucun zéro contact, c'est-à-dire que tu arrives, tu mets ta petite carte normalement dans ton coffre, tu laisses ton coffre ouvert, toi, tu retournes dans ta voiture et là la personne elle vient, elle scanne et elle te met dans le coffre et voilà.
Alors, je sais pas si elle... Enfin, voilà, ça se passe comme ça, et tu t'en vas. Voilà, en espérant que je ne rencontre pas mes copains gendarmes. Enfin, en quel cas, là, j'aurais rien à me reprocher. Mais logiquement, ça devrait bien se passer. Il fait un temps dégueulasse. C'est pas plus mal, ça va peut-être obliger les gens à rester chez eux. Hein? Je vais donc terminer ce petit vlog, vous dire à demain. Ouais, demain quand même. Non, après-demain, du coup. Et je vous fais un gros bisou. Salut.